L'entreprise Philips s'est associée aux étudiants designers de l'école bleue afin de développer des projets autour de la technologie OLED. Une démarche qui laisse place à la créativité et au savoir-faire de ces jeunes. L'OLED, c'est la possibilité de concevoir autrement des objets lumineux. C'est fin, c'est facilement intégrable, dissimulable, et de fait, ça libère complètement la création de toutes les contraintes que l'on pouvait avoir auparavant. On a fourni des OLED à des étudiants et en sont ressortis de réels luminaires qui sont pour certains parfaitement prêts pour une édition. À ce titre, ça a été quelque chose de très positif. D'autre part, on a été également surpris par la liberté des formes, la liberté de création qui a été utilisée à plein dans la réalisation de ces prototypes. C'est pour nous quelque chose de réellement positif. Philips est arrivé avec une demande précise, en fait, avec une nouvelle technologie, donc la OLED. Nous, étudiants de l'école bleue, on avait pour objectif de trouver une fonction de cette OLED, de lui trouver un support, d'en faire un réel luminaire. Dans un projet comme celui-là, on était beaucoup plus axé sur la démarche, sur les recherches, que sur un produit directement commercialisable. Nous, on a surtout voulu l'intégrer dans un objet, pas en faire qu'un luminaire, pouvoir l'intégrer vraiment dans un objet qui apporte une fonction autre que la lumière. Donc voilà, pouvoir créer des rangements, en faire une lumière en fait, voilà, qui peut très bien nous servir pour lire ou pour écrire. C'est vrai que l'OLED ne dégage pas du tout de chaleur, donc c'est vraiment une lampe qu'on peut avoir suffisamment proche de soi sans que pour autant ça en devienne gênant. On est plus dans une logique de cacher la source lumineuse, voilà, du type abat-jour, enfin vraiment de créer des filtres pour moins voir au possible la source lumineuse, alors que là au contraire on est vraiment sur la mise en valeur du produit. Les caractéristiques intéressantes de l'OLED pour moi sont sa finesse, sa diffusion de lumière. On repense complètement la notion de lumière, je pense, avec l'OLED. C'est une porte ouverte à une grande créativité pour tous, je pense.